Là-bas, j'ai parlé ma langue. Et un espace en moi s'est ouvert. Le français est très nasal. Le français pointe toujours la finale. Le français me flanque une muselière. Pardon, oh là, pardon, pardon la France. Terre d'accueil, terre de liberté, merci. Celui-là, je l'ai écrit en français. D'ailleurs, j'ai toujours écrit en français parce que j'ai fait l'école ici. Je suis venue, j'avais 4 ans et demi. Pour moi, l'espagnol est vraiment la langue très, très intime de l'enfance, de la petite enfance, même si je continue à le parler aujourd'hui. Mais j'aurais beaucoup de mal à tenir une discussion philosophique en espagnol, en français aussi, d'ailleurs, peut-être. Certains de ces textes, je les ai écrits au départ dans un atelier d'écriture en espagnol qui avait lieu à Paris. Mais en fait, on parlait en espagnol des textes, tout le monde écrivait en espagnol, et moi j'écrivais en français. Je dis dans le spectacle que j'ai parlé à ma fille en espagnol quand elle était bébé. Oui, les mots doux, les mots câlins, les petites berceuses, tout me revenait en espagnol. J'en ai été surprise moi-même, mais je n'arrivais pas à lui parler français. J'avais l'impression de jouer un rôle, mais ce n'était pas moi. Une distance dans la tendresse. La faille sous la mer. Des amis que j'aime beaucoup, des gens très très intimes. Des fois, je leur parle et j'ai l'impression de leur parler en espagnol alors que je parle en français. Donc voilà, c'est une dualité qui est toujours présente.